Les coopératives agricoles paysannes, pierre angulaire du développement économique du Sénégal. De par la formation et l'encadrement des paysans, le gouvernement du Sénégal ambitionne d'augmenter l'autonomie des différentes associations du monde agricole. L'union faisant la force, les coopératives agricoles représentent aujourd'hui les intermédiaires idoines entre les agriculteurs et leurs partenaires financiers. Cependant, malgré leur efficacité, les coopératives agricoles font face à l'absence de légitimité de leurs actions sur le terrain. Les politiques étatiques sont faites au niveau stratégique et ce sont les organisations locales qui appliquent ces politiques, notamment la riziculture. L'agriculture sénégalaise, elle est portée par les associations sénégalaises, notamment les associations de riziculteurs, les associations de producteurs, les associations d'éleveurs. Le gouvernement sénégalais met à la disposition des coopératives des moyens pour leur autonomisation. Près de 126 milliards de francs CFA ont été alloués à de nouveaux projets agricoles devant être mis en place entre 2014 et 2023. L'environnement de l'agriculture, c'est ça qui intéresse les organisations de producteurs. Comment on doit faire pour que finalement on augmente la transparence? Comment on doit faire pour que l'appui de l'État puisse parvenir directement aux agriculteurs? C'est un travail qui demande du temps, qui demande des concertations entre les organisations de producteurs et le gouvernement du Sénégal. Et ça, on y travaille. Donc on peut dire que le gouvernement du Sénégal appuie ses producteurs. Il faudrait qu'on continue sur ce chemin à discuter, à se concerter, à travailler ensemble. Au lendemain du dernier programme triennal d'investissement public 2013-2015, les autorités espèrent obtenir une évolution moyenne de 10,7% de l'activité agricole nationale. Pour cela, elles comptent sur les organisations paysannes pour augmenter les stocks de capitaux et la productivité agricole.